قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري as salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. paix sur ceux qui suivent la guidée paix et bénédiction sur le prophète salallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons ses amis sa famille ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement euh, un audio euh, à l'ancienne, entre guillemets, puisqu'il n'est pas en direct. Ça me permet quand même d'être plus concentré euh, et d'être euh, plus structuré dans ce que je dis. Donc, après avoir un petit peu testé, je reviens un peu aux anciennes habitudes. Désolé pour ceux qui se sont plaints que les deux derniers audios étaient trop courts. Euh, J'essaye de satisfaire euh, tout le monde qui me dit c'est trop long, qui me dit c'est trop court. Donc moi, je vous avoue franchement que je n'ai pas un chrono devant moi, donc euh, je dis ce que j'ai à dire, et puis parfois c'est court, parfois c'est long. Euh, si quand je suis long, je ne le fais pas exprès. Quand je suis court, c'est que j'ai rien à dire de plus. Donc euh, voilà, juste pour préciser par rapport à certains commentaires que j'ai reçus. Euh, bon, aujourd'hui c'est un petit peu un bilan général. Je ne vais pas me focaliser sur un sujet parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Je vais essayer d'être bref. Donc il se peut que certains sujets ne vous intéressent pas, mais qu'après j'aborde quelque chose qui vous intéresse plus. Donc il faudra peut-être faire l'effort d'écouter jusqu'au bout, puisqu'il n'y a pas vraiment un sujet précis. C'est un bilan général de plusieurs choses que je veux évoquer. Dans cet audio, pour clôturer cette année euh, 2017, puisque nous sommes régis par le calendrier euh, grégorien, les choses sont ainsi faites. Euh, dans quel ordre, c'est ça le problème Bon, première chose que je voudrais dire, et ça va être très court, je voudrais, encore une fois, je l'ai fait souvent, mais je voudrais encore une fois, appeler mes détracteurs euh, à craindre Allah. Si, il y a encore un peu de crainte dans leur cœur, je ne sais pas. Et franchement, plutôt que de parler dans mon dos, de répandre des fausses rumeurs, d'étaler son animosité pour ma personne, Franchement, prenez votre courage. Je ne vais pas vous manger. Hein. Euh, rien ne vous arrivera. Euh, et euh, écrivez-moi votre numéro de téléphone ou demandez-moi le mien. Et je vous le donne. Et on parle. C'est tout. Dites ce que vous avez à dire. Euh, Déclarez-moi vos doutes, vos suspicions, vos accusations. Et je répondrai. C'est tout. Euh, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas en quoi c'est une attitude très chevaleresque ou très euh, héroïque pour toute une série de musulmans qui se disent d'ailleurs très pieux, très savants, très intelligents, euh, de taper dans le dos de quelqu'un de, depuis maintenant deux ans que je suis sorti de prison, de continuer à répandre des, des, des mensonges et Euh Normalement, normalement, quand on craint Allah, on cherche à entrer en contact avec la personne et entendre sa version des faits. Moi, souvent, on me contacte pour des médiations de couple. D'ailleurs, je, je, je vous l'ai déjà dit, je prévois à l'avenir d'ouvrir une association parce que je remarque que ça devient un phénomène de masse et il faut vraiment faire quelque chose. C'est un autre sujet qu'on abordera plus tard, Inch'Allah. Et euh, moi, à chaque fois, euh, on me raconte des histoires dramatiques. Des frères me décrivent des femmes comme des, des espèces de sorcières. Des femmes décrivent leur mari comme une espèce de pervers fini, et toujours je dis ma sœur, mon frère, moi je dois entendre l'autre version, parce que euh, si je n'écoute que toi, je vais faire une injustice. Certainement que ton mari ou ta femme, il a une autre version des faits. Et il faudrait être comme ça aussi euh, entre nous, hein, Je veux dire euh, entre euh, pour les autres questions, pas que dans les mariages. Mais malheureusement, nous vivons une époque où même des musulmans instruits on bascule vite dans les conclusions hâtives, dans les suspicions basées sur on m'a dit que, une amie d'une amie d'une amie d'une amie, amie a dit que, et puis voilà, ça se propage, et moi je l'ai toujours dit, je peux pas me balader avec une pancarte qui répond à toutes les questions que les gens peuvent se poser, euh, qui sont très vastes, dans hein, ces questions-là. Pourquoi il a fait que 24 mois de prison alors qu'il, que le parquet en réclamait 12, euh, réclamait 12 ans? Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est un traître euh, Pourquoi est-ce qu'il a accusé le groupe euh, d'Aula Islamia d'être des roulats de takfir, hawari, etc. Euh, moi, tout ça, je veux bien expliquer, mais je ne vais pas faire d'audio là-dessus. Parce que ce n'est pas le genre de sujet que je veux aborder. Soit c'est ma vie privée, soit c'est des questions euh, délicates d'un point de vue judiciaire. Donc il faut me contacter, il faut me contacter, et on en discute. Moi, je n'ai rien à cacher. Je peux tout expliquer en détail, avec des chiffres, des dates, des heures des noms, mais je ne peux pas courir derrière les rumeurs. Voilà. Donc, euh, c'est très simple, écrivez-moi d'une façon ou d'une autre, contactez-moi, téléphonez-moi et il n'y aura pas de problème. Je serai là pour échanger avec vous et pour apaiser vos doutes ou les confirmer, hein, parce que je ne peux pas non plus changer les cœurs. Et ce serait une attitude un peu plus noble et un peu plus euh, positive et surtout islamique. Voilà. Ceci étant dit voilà euh, vous savez je, comme vous, ceux qui me suivent depuis de nombreuses années, euh, vous savez que je suis un observateur du monde, je rencontre toutes sortes de gens des musulmans, des non- musulmans, des agnostiques, etc etc. je discute avec tout le monde j'essaye j'essaye tant bien que mal de d'être clair, de défendre euh, ma vision des choses sans être hautain, sans être rabaissant, sans être méprisant. C'est pas facile, pourquoi Parce que les gens parce que les gens ils ont dans leur cœur des passions diverses. Et vous, comme vous le savez, quand on touche aux passions humaines, on s'attire beaucoup de haine. On s'attire beaucoup de haine. C'est très difficile. Les gens pour vivre, ce sont se sont équipés de toute une série de béquilles, de croyances, d'habitudes, de de fêtes, pour se donner un sens à leur vie, pour donner une structure à leur vie. Et quand on touche aux fondations mentales et sentimentales de quelqu'un, c'est très difficile. C'est très difficile. Euh, mais il faut pas s'arrêter, c'est-à-dire que il faut continuer à dire des vérités, même si parfois elles sont difficiles à entendre, difficiles à digérer. Récemment, j'ai eu avec avec mon épouse, on a eu une discussion avec une une, une sœur par rapport à sa relation avec son fils, qui était beaucoup trop euh, une relation trop fusionnelle, trop enfant roi, très difficile pour cette sœur d'entendre qu'elle ne rend pas service à, à cet enfant envers cet enfant en l'infantilisant de la sorte, parce que elle a rabattu tout son amour et toute son attention qu'elle avait pour son ex-mari vers l'enfant. C'est difficile parce que les gens, voilà, ils ont, ils cherchent des mobiles à leur vie, ils cherchent des points d'appui. De, de, Et quand vous touchez au point d'appui, même si en théorie on reconnaît que c'est peut-être, il y a peut-être des choses à changer, il y a le cœur. Et le cœur, vous savez, le cœur quand il prend une tournure, c'est très difficile. Et dans toutes ces rencontres que je fais, il y a quand même un genre de rencontre sur lequel je veux m'attarder parce que celle qui me qui m'afflige le plus m'afflige dans le sens euh, qu'elle est difficile à résoudre c'est euh, la rencontre avec des gens d'origine maghrébine ou non hein, ex-musulmans ou musulmans dans le doute ou agnostiques parce que bon il faut bien comprendre le contexte le contexte dans lequel on est euh, beaucoup de, de, de gens de l'élite au Maghreb voient leur pays en décomposition et malheureusement très souvent un lien est fait entre l'islam et euh, le retard technologique, éducatif et autres que leur pays a. Ils préfèrent accuser l'islam plutôt que la corruption, euh, le roi, leur, leur président, leurs militaires. Évidemment, comme je l'ai souvent dit dans mes audios, plus facile d'accuser le créateur de tous les maux plutôt que d'accuser les humains, mon père, ma mère, mon, mon concierge, mon patron, mon policier de quartier, mon président, mes ministres. Les gens préfèrent, c'est plus commode d'accuser quelqu'un qu'ils euh, qu pensent qu'il n'est pas là, afin euh, de lui mettre toute la misère du monde sur le dos. Et donc tout ça pour dire que il euh, y a comme ça dans le monde, un peu partout, des gens qui euh, sentent, selon moi à tort, sentent que adhérer à une religion, c'est quelque part insulter son intelligence et c'est euh, s'attacher à des croyances rétrogrades, simplistes alors que la vérité, selon eux, est plus complexe et scientifique et demande des preuves. Et vous le savez, moi je l'ai souvent constaté dans ma vie, euh, les, les, les questionnements euh, excessifs, parce que se questionner, c'est bien, réfléchir, c'est bien, mais à un moment donné, ça peut être un piège, parce que, comme je l'ai entendu hier dans une émission qui n'avait rien à voir avec la religion, on est dans une société actuellement où les gens ne veulent pas se fixer. C'est-à-dire ne veulent pas se fixer en amour, ne veulent pas se fixer idéologiquement, ne veulent pas se fixer de logement. Les gens sont tous euh, mutables et flexibles. C'est devenu un signe de modernité que de changer de partenaire, ne pas appartenir à une idéologie, à une religion, plutôt picorer à gauche, à droite. On, on prend la méditation chez les bouddhistes, on prend l'unicité chez les musulmans on prend les fêtes chez les chrétiens, etc. etc. Et donc on est un peu dans une époque où les gens sont dans le désengagement, la peur d'être engagés à tous les niveaux, sentimentalement, idéologiquement, spirituellement, économiquement. Et on devient en fait des espèces de feuilles mortes dans le vent. Et suivant d'où vient le vent, on est un peu ceci, un peu cela, et puis on sait plus qui on est, et puis euh, on souffre de solitude, et puis on souffre de routine, et puis on souffre... Euh, on ne sait pas euh, on, on est avec quelqu'un on dit est-ce que je l'aime c'est quoi l'amour euh, euh, les gens en fait sont dans des grands des grands euh, un grand flou un grand vide à tous les niveaux c'est un petit peu le, le, le dénominateur commun des gens à notre époque et quand ces gens sont en face de gens on va dire un peu stables c'est-à-dire depuis de nombreuses années dans un mariage fixés dans une religion ou une idéologie etc ils ont l'impression en fait que euh, ces gens-là sont. sont. comment dirais-je. Euh, sont un peu rétrogrades ou sont un peu. Euh, sont pas à la page, quoi. ils sont pas dans la modernité. On est dans une époque, vous voyez bien. Internet, Snapchat, Bitcoin, tout va vite, tout change, il y a des modes. Euh, un, jour, un jour ceci est vrai, un jour c'est faux. Euh, Sites de rencontres, speed dating, enfin. voilà, vous voyez dans quoi on vit. Tout est éphémère, tout est rapide, rien n'est profond, rien n'est ancré, et ça crée en fait des êtres euh, sur qui on peut pas compter, des êtres irresponsables, dans le sens que euh, ayant tellement peur de l'engagement à tous les niveaux, ils ne veulent pas de responsabilité, ils ne veulent pas d'engagement. D'où, évidemment, puisque par euh, définition, en tout cas en général, sauf exception, ben, une femme à un moment donné veut se stabiliser veut avoir un enfant, veut un mari responsable sur qui elle peut compter. La difficulté, en fait, pour beaucoup de femmes, de se marier ou de se remarier avec des hommes aujourd'hui qui, bon, je, je voulais dire musulmans et non musulmans parce que malheureusement les musulmans re -re ressemblent beaucoup aux non-musulmans, euh, contrairement à ce qu'on peut penser. Elles ont beaucoup de difficultés parce que elles trouvent, elles trouvent des hommes euh, des hommes euh, gentils, euh, pieux, sincères, euh, beaux, parfois, pas toujours, mais, mais euh, elles sentent que ce sont des gens qui sont volatiles, c'est-à-dire des gens qui ont des problèmes dans leur relation avec l'argent, des gens qui ont un problème dans leur relation avec le travail, des gens qui ont un problème avec la stabilité sentimentale, des gens qui, des hommes plutôt qui ont du mal à couper avec leur vie d'adolescent euh, attardé entre guillemets. Et alors les femmes ont peur. Elles ont peur parce que une femme, euh, même si elle trouve un homme très beau, très intelligent, très euh, croyant, elle, ne, elle, elle craint, elle craint l'engagement profond avec quelqu'un avec qui il n'y a pas de projet de vie. Et ça, évidemment, euh, ça repose dans les, les mains des hommes, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas mettre tout dans le même sac. Les femmes ont leurs défauts, que je ne vais pas, euh, pas m'étaler ici, je l'ai déjà assez dit, il y a plein d'audios sur le sujet, euh, les problématiques des femmes. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qui qu'elles soient, quels que soient leurs défauts, quelles que soient leurs faiblesses, nous les hommes, nous avons l'obligation d'être à la hauteur pour plein de raisons pour plein de raisons et euh, bah, je me rappelle toujours euh, enfin cette phrase qui, qui vaut ce qu'elle vaut dans le film je crois que c'est le, le parrain un premier euh, donc euh, marlon Brando qui joue le rôle du parrain dit à un moment donné les femmes peuvent se tromper peuvent faire des erreurs nous n'avons pas le droit en disant nous les hommes et effectivement c'est à dire que à un moment donné, on peut jouer ce jeu de se jeter les fautes. Oui mais toi, oui mais toi, oui mais toi, tu fais tu, fais, tu tiens pas le bait en ordre. Oui mais toi, t'es pas, euh, tu ramènes pas l'argent. Enfin, vous voyez, euh, on peut jouer ce jeu de chat et de la souris, ping pong, mais ça va pas être très constructif. À un moment donné, je pense que l'homme doit prendre les choses en main et doit à un moment donné dire bon, euh, j'ai vécu comme ci, comme ça, comme ça. Voilà, ma mère faisait tout, j'étais le petit roi à la maison. J'étais avec des potes, euh, rap, shit, machin. Maintenant, je veux passer à autre chose. Je veux évoluer. Je ne veux, devenir musulman, ce n'est pas que enfiler une djellaba pour aller à la mosquée au coin de ma rue, être avec des frères. Je euh, parlais de l'actualité et puis rentrer chez moi et vivre comme un ado attardé et puis dire euh, je veux me marier, je veux me marier. Tu veux te marier pour faire quoi Pour proposer quoi Pour euh, pour euh, être quel, euh, comment je dire, quel, quel élément positif pour une femme? Euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, euh, il y a aussi des, des frères qui s'engagent très à la légère avec des femmes qui ont des enfants <coughs> et qui, après, n'arrivent pas à aimer ces enfants, à s'en occuper. Et je n'ai jamais compris cette histoire-là parce qu'en islam, on insiste beaucoup sur les orphelins et je considère qu'une femme qui a un enfant dont le père est loin, euh, décédé, en prison, ou... Ou je veux dire, euh, voilà, tout simplement absent parce que divorcé. Donc, euh, mais c'est un petit peu comme s'occuper d'un orphelin ou d'une orpheline. Il y a un grand mérite à ça. Pourquoi cet acharnement à dire si ce n'est pas un enfant qui a un lien de sang avec moi Eh bien, je n'ai que du mépris euh, euh, et je n'ai pas envie de, de, de passer du temps et de dépenser de l'argent pour un enfant qui n'est pas directement en lien avec avec moi. Je suis désolé quand on accepte une femme et quand on veut l'épouser. Ce n'est pas que pour faire des, je m'excuse du mot, mais faire des galipettes dans des lits, c'est aussi pour l'apprendre avec ses qualités et ses défauts, et l'apprendre avec ses fardeaux, entre guillemets, qui peuvent être source de Hassanates tels que des enfants sans leur papa. Mais tout ça, euh, malheureusement, on n'en parle pas beaucoup, on parle de, de grands concepts que je ne critique pas, hein, euh, Takfir, Roulat, Machin, euh, Khalifa, Tawhit, bien sûr. Mais le problème, c'est que si derrière tout ça, il n'y a pas des comportements, des agissements, des attitudes conformes au Coran et à la Sunna, on se retrouve avec une communauté schizophrénique et qui, en fait, s'étonne après que ça va mal. Mal dans les mariages, mal dans les guerres, mal dans l'économie. Je l'ai toujours dit, l'islam, c'est un tout. C'est un tout. Et si on s'acharne sur un côté de l'islam, qui le cœur et le digre, qui la politique, etc., qui l'assimilation et s'insérer dans la société française, qui euh, la guerre, djihad, machin, et délaisse le reste, eh bien, il devient quelqu'un qui, qui a pris une partie du livre. Et ça, malheureusement, c'est la norme aujourd'hui. Prendre le livre en son entièreté, c'est une grande difficulté, mais c'est la voie de la rectitude et de la vérité. Et donc, dans tous nos agissements, ça doit être euh, notre, bien dans notre esprit. Quand on parle, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, quand on parle des juifs et des chrétiens, il faut tenir en compte l'ensemble des versets sur la question. Pas un ou deux. L'ensemble. Parce que certains versets sont contextuels, d'autres versets sont dans le temps, d'autres versets correspondent à notre époque. Voilà. Par exemple, voilà, je, on va m'accuser. D'avoir la langue de bois, ce n'est pas mon style. Par exemple, moi je, je pense sincèrement, sincèrement que le verset qui dit Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne suivras pas leur passion, leur religion, je pense que tout à fait adéquat d'en parler de nos jours. On le voit, c'est clair et net. C'est-à-dire qu'on voit bien à travers l'actualité que le problème va bien au-delà du terrorisme le problème va au niveau de, de tout le reste. Les apparences, les habitudes, la façon de vivre. Comme je l'ai toujours dit, je veux dire euh, si, des si des Japonais euh, avec un peu de moyens viennent s'installer euh, en Europe et que très gentiment ils s'inclinent pour dire bonjour au lieu de serrer la main ou faire des bisous, on va, les, les, les Occidentaux vont réagir très différemment que si c'est un musulman ou une musulmane. Donc il y a un problème de fond qui est que je, je le répète encore et encore. Euh, les agissements qui sont faits au nom du Créateur posent beaucoup plus d'irritation et de problèmes que des agissements qui sont posés au nom d'une culture d'habitudes ou de culte des ancêtres. Ou là, on veut, ou là où on va vous dire, oui mais c'est leur culture, ouais mais c'est leurs habitudes, et on, va, on va minimiser. Donc voilà, mais il faut aussi prendre en compte les versets qui disent que euh, d'autres choses, je ne veux pas tous les énumérer. Des choses parfois dures, des choses parfois tolérantes, et donc le musulman avoir un jugement équilibré. Très difficile, je sais, mais c'est la, la, la voie à suivre. Pour revenir au, au sujet, parce que je me suis un petit peu éloigné, mais c'est pas grave. Euh, au sujet de tous ces gens que je que je fréquente, qui sont dans les doutes. Il y en a beaucoup, hein. croyez-moi, beaucoup beaucoup de gens d'origine maghrébine ou pas, qui sont dans les doutes. Ils disent. Euh, ils sont dans les doutes en fait pourquoi. J'ai beaucoup réfléchi par rapport aux échanges que j'ai eu avec eux. Et bon, la réponse facile consisterait à dire euh, « Ah ben voilà, Allah les, a, Allah les a pas guidés, tant pis pour eux, euh, goodbye, bonsoir. » J'essaye un peu d'aller plus loin, j'essaye d'écouter. Et ce que j'entends, ce que j'arrive comme conclusion, c'est qu'en fait, les gens, euh, d'abord ils ont peur. Ils ont peur d'adhérer à un mensonge, d'adhérer à quelque chose qui ne serait pas vrai. Surtout que ce quelque chose, quand on parle d'islam, est une religion mal vue, euh, source de sacrifices quand même. Hein. Ramadan une fois par an, euh, zakat, euh, prière, euh, aller au hajj, etc. Une fois dans sa vie, bon. Une religion quand même qui, qui nécessite un engagement. Et donc il y a cette crainte de dire euh, oui mais bon euh, si je m'engage euh, je vais quand même devoir faire face à toutes sortes de, de problématiques euh, c'est pas évident et de plus de plus parce que je sais que certains sont pas d'accord avec ça de plus certains disent je ne, je ne suis pas convaincu c'est-à-dire chaque élément qui est mis en avant par les musulmans est critiquable et contestable par la théorie de ceci par la théorie de cela euh, bon, vous le savez, je l'ai déjà dit Enfin, c'est pas moi qui l'a dit, je sais plus qui d'ailleurs euh, Il suffit de répéter un mensonge très fort et plusieurs fois Pour que les gens disent que c'est vrai, oui euh, Récemment, je discutais avec quelqu'un qui m'a dit C'est impossible que nous n'avons pas marché sur la lune Ça voudrait dire qu'il y a des milliers de gens dans la combine Et qui n'ont pas, euh, qu pas euh, comment je vais dire euh, Contesté ce fait-là Donc ça doit être vrai donc je dis, il faut comprendre, à un moment donné, avec les médias de masse, télévisés principalement, Internet, et maintenant on s'achemine avec l'histoire des fake news vers un, un, un cadenassement de l'information, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une version qui est la version officielle, reconnue, avec, euh, ben, euh, comme on a chez nous les savants du palais, eux ils ont les, les scientifiques du palais qui viennent, qui attestent, oui, oui, c'est ça. Et puis vous avez des contestataires dans tous les domaines hein, dans le domaine des vaccins dans le domaine des du 11 septembre dans le domaine d'un marché sur la lune dans le domaine de la terre plate la terre ronde etc et ces gens là sont évidemment systématiquement et automatiquement décrits comme bizarres louche euh, malhonnêtes pas instruit isolés, marginal anarchistes etc etc et donc, dans l'esprit des gens moyens, ben, il se dit, euh, je n'ai pas, pas envie de rejoindre le camp des gens qui sont montrés du doigt comme des bizarres. Je vois quand même qu'il y a beaucoup de gens, dont beaucoup de gens euh, intelligents, instruits, diplômés, qui attestent des thèses officielles. Et évidemment, c'est une des raisons, c'est une des raisons qui fait que les médias euh, du monde entier sont contrôlés par des consortiums, par des hommes d'affaires, par des lobbies, parce que les enjeux sont énormes, énormes. Imaginez-vous, imaginez-vous, que une télévision comme je ne sais pas euh, France 2, bon, donc la télé, la, une télé très regardée, quoi, commence à faire des débats avec des gens de qualité. Instruit sur des questions épineuses. Euh, Je ne vais pas répéter. Euh, Islam, terrorisme, euh, 11 septembre, euh, Kennedy, machin, tatara. Euh, vous savez, ça devient des questions de sécurité, comment on appelle Des questions de sûreté de l'État. On ne peut pas euh, laisser dire, pour la stabilité d'un État, on ne peut pas laisser dire des gens, des thèses qui euh, créeraient une sorte de chaos ou de méfiance. Euh, un État doit fonctionner et euh, économiquement c'est beaucoup basé sur la confiance euh, parce que confiance pour emprunter de l'argent, confiance pour entreprendre, confiance pour recruter du personnel. Donc s'il n'y a pas de la confiance, s'il y a de la méfiance, le système peut s'écrouler. Tout est basé sur la confiance, à commencer par les billets de banque qu'on a dans notre portefeuille, c'est du papier auquel on a donné une valeur basée sur la confiance. Donc, la banque centrale déclare que ce papier vaut 100 euros et qu'avec ça, tu peux acheter ceci, cela, cela. Mais si demain, il y a des doutes, ou si demain, on se dit, euh, en fait, ça vaut quoi vraiment Et qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question et qui commencent à vider leur compte et à acheter, je ne sais pas, des bitcoins, de l'or, de l'argent, des, 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 des bijoux, des des objets d'art, ça peut déstabiliser euh, un état. Donc vous comprenez une fois qu'on a dit ça que, au niveau des médias de masse, des médias populaires, on ne peut pas, on ne peut pas donner la parole à des gens qui remettraient les, les, les choses en question. Bon, je prends un exemple très qui me concerne, n'allons pas loin. Dans mon affaire judiciaire, il s'est avéré qu'il y avait donc euh, un agent marocain euh, protégé par le, le, la Belgique, qui, euh, enfin, vraisemblablement, hein, c'est ce qui est apparu, qui a acheminé plein de jeunes vers les aéroports, etc. Bon. En soi, c'est un scandale, c'est-à-dire c'est quelque chose qui devrait faire les premiers titres de tous les journaux. Euh, les articles sont là, hein. les articles sont là, vous tapez, il euh, y a des articles dans Marianne, dans la, la dh.be, rtl.be, euh, etc. Le vif, le Bladi.net ou point Maroc, je ne sais plus. Il y a plein d'articles sur la question, disponibles, ils ne sont pas effacés. Mais aucun média de masse et aucun journaliste ne prend le risque, n'a pris le risque, c'est trop tard maintenant. Deux ans sont passés, l'histoire est enterrée, n'a pris le risque de, de de faire écho à cette affaire. Pourquoi Parce que parce que parce que euh, en dehors des éléments du dossier qui est donc secret et qui ont été discutés au procès, eh bien, il euh, n'y a pas de preuve. La personne a disparu. La personne n'est pas recherchée. Euh, la personne, euh, on n'a pas envie de l'arrêter puisque voilà, elle était plus ou moins complice. Et donc. Une grande affaire comme ça, qui a été entendue par les gens dans la salle du procès, par les juges, par certains journalistes présents dans la salle, n'a pas eu d'écho. Euh, J'ai reçu plein de fois des journalistes qui me posaient des questions sur ce sujet. Il euh, n'y a eu aucune suite de personne, ni de la BBC, ni de la Libre Belgique, de plein de médias. Pourquoi Parce que, en fait, voilà, euh, à un moment donné, c'est délicat. C'est dangereux, ça touche à la stabilité de l'État. Et bon, ben. Finalement, pour gagner quoi C'est un gars, on ne sait pas où il est. On ne sait pas c'est quoi son vrai nom. Euh, il a dû changer d'apparence. Et personne n'a envie que euh, la vérité éclate. Ça n'intéresse personne. Et donc, ça passe à la trappe. Et ça, malheureusement, c'est très difficile d'expliquer aux gens que parfois, la masse. Euh, elle a un avis sur une question qui est basée sur des impressions. Et une impression qui est basée sur quoi sur ce qu'elle a entendu, sur ce qu'on lui a dit de penser. Et elle répète et elle y croit. Parce que finalement, allez, parlons d'un sujet plus général, le 11 septembre. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé et je, sais, je ne crois pas qu'on le saura vraiment un jour. Tous les, 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 les détails de cette affaire. Mais... Soyons analytiques. Euh, les gens, vous croyez que les gens n'ont pas un petit doute? Quelqu'un du fin fond d'Afghanistan, euh, euh, a plus ou moins piloté 19 gars qui auraient fait tout ça. Bon, les gens voient bien que c'est un peu, c'est un peu étrange. On leur dit la vitesse, l'avion, fallait, fallait être très expérimenté, etc. Bon. Mais, pourquoi, en fait, il n'y a pas plus de contestations hormis certaines personnes comme ça, un peu chevaleresques, euh, Jean-Marie Bigard, euh, Mathieu Kassovitz, etc. Parce que, parce que, il y a trop à perdre. Il y a trop à perdre. C'est-à-dire, euh, des ennuis, être montré du doigt, se faire moquer. Euh, et même chez les musulmans, hein. C'est pas que chez les autres. On va vous dire complotistes. Euh, euh, parce que chacun, en fait, chacun retire un bénéfice des versions officielles. Ça conforte certaines idées. Et voilà pourquoi à un moment donné, les gens préfèrent le confort idéologique à la vérité. Tout le monde veut le confort, tout le monde veut, oui, c'est des héros, machin, euh, et les autres, c'est des monstres, chacun dans un cliché, et tout le monde est content, tout le monde a son os arrangé, et la vérité, finalement, personne ne la veut vraiment. Parce que, euh, voilà, euh, si on devait maintenant divulguer, voilà, c'est une... Je ne sais pas, c'est un lobby euh, qui, voulait qui voulait faire disparaître les, les preuves euh, de certains dossiers de la CIA, plus les assurances des immeubles qu'ils ont touchés avec le consortium des armes, etc. Bon, mettons, demain on prouve ça. Et alors Vous croyez que les gens vont pleurer sur le sort de l'Afghanistan, des talibans, euh, de Ben Laden On euh, s'est trompé Les gens vont dire « Ouais, mais bon, de toute façon, ces gens-là, euh, on n'en veut pas, on les aime pas. » donc même si c'est pas eux, bon, ben pas de chance. Tant pis pour vous. Voilà. Les gens croient que voilà, tout le monde est à la recherche de la vérité, que tout le monde voudrait la vérité. Non. Et quand quelqu'un ose s'aventurer dans ce terrain, il est, il est très très vite critiqué de tous les côtés, de tous les côtés, parce que parce que parce que voilà, pour toute une série de raisons, les gens euh, les gens s'accommodent s'accommodent des, des versions. Euh, euh, public de masse. Ça permet de ne pas faire de vagues. Et donc, je re reviens au sujet. Euh, les gens qui sont dans les doutes et qui, euh, en fait, pour chaque point, ils, ils, ils bloquent, vous voyez. On parle de la pudeur, ils bloquent, on parle de l'homosexualité, ils bloquent. On parle du jour du jugement, ils bloquent. On parle des djinns, ils bloquent. On parle des anges, ils bloquent. On parle des relations homme-femme, ils bloquent. Euh, on parle de, du mariage, de la sexualité, ils bloquent. Ils bloquent pourquoi Et c'est ces blocages qui font qu'ils n'arrivent pas à adhérer à l'islam. Ils bloquent parce que, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, ils sont dans cette zone de pensée qui consiste à dire « oui mais ».« Oui mais ». Et sur chaque question, vous pouvez venir avec des « oui mais » ou citer des exceptions pour contrer des généralités. Vous voyez euh, et alors là, évidemment, quand on est dans les oui mais, et quand on cite des exceptions ou des cas isolés pour contester des réalités naturelles universelles, on est malheureusement coincé, puisque c'est une sorte de, pour moi, c'est une sorte de waswes, hein, c'est-à-dire c'est un empêchement idéologique d'accepter, parce que vous remarquerez même, même entre nous, entre les musulmans certains sujets il y a une acceptation cérébrale mais un refus du cœur et tout le monde sait que l'islam est une affaire de cœur une affaire de sincérité et je suis moi je suis personnellement convaincu que tout ce qui nous arrive les humiliations les rabaissements les défaites les machins c'est lié à quoi que on est musulman mais on n'est pas mu'min et ça ça c'est quelque chose que les gens devraient beaucoup méditer beaucoup réfléchir là-dessus à dire, oui, je fais mes cinq prières, oui, je ne bois pas d'alcool, oui, je ne mange pas de porc, oui, j'ai fait mon voyage à la Mecque, etc. etc. Mais, mais, est-ce que dans ma vie de tous les jours, dans mes relations avec ma femme, avec mes enfants, etc., avec mes frères, avec mes voisins, avec les non-musulmans, etc., est-ce que, est-ce que là, je suis un musulman est-ce que dans ces moments-là, je suis un musulman Ou bien je suis musulman sur certaines théories, comme certains frères que j'ai cités au début, vous voyez ils ont, ils ont fait des hautes études, ils sont là avec leurs lunettes, ils posent sur Facebook, ils font les, ils font les intellos musulmans, etc. Ils connaissent plein de trucs par cœur. Oui, mais Imtaïmiya a dit dans le volume 6 de son tome 3 que dans telles circonstances, etc., ça, ça, ils font très bien. Mais après, quand vous leur dites... Ah, viens me parler en privé si tu dis des choses sur mon dos. Viens vérifier, viens écouter ma version. Là vous les voyez plus. Donc là ils oublient l'islam. Tout d'un coup ils deviennent des concierges, des, des rapporteurs, des radoteurs. C'est pas facile, mes frères et sœurs, ce n'est pas facile d'être musulman. Musulman dans le sens profond et complet du terme. C'est facile de dire comme ça. Combien de fois j'ai entendu Ah la polygamie. Hein, moi, je n'interdis pas ce qu'elle a permis, hein Non, moi, je suis euh, saliha machin. Et puis, en vérité, quand il s'agit de gérer une belle-mère, une mère, une soeur, une famille, ne parlons même pas de coépouse, n'allons pas aussi loin. Qu'est-ce qu'on voit C'est la guerre, c'est les insultes, c'est l'hypocrisie, c'est les rabaissements, c'est l'horreur, l'horreur avec un grand H. Pourquoi Parce que c'est un islam de façade. Un islam de on bouffe ensemble au ramadan, on fait la kika du petit, on you you Mais quand il s'agit d'attaquer son nefs, quand il s'agit de faire des efforts, quand il s'agit de mordre sur ses lèvres et sur ses doigts, là, il y a plus grand monde. Et le, tous, les pro, tous nos problèmes, à tous les niveaux, ils viennent de là. Ils viennent de là. Parce que rappelez-vous ma phrase fétiche, entre guillemets. Par définition, Allah n'est pas injuste. Donc, tout ce qui nous arrive, les défaites, les divorces, les machins, les enfants qui obéissent pas, qui deviennent des petits monstres, etc., tout est lié à nous, à nos manquements, à nos péchés, à nos hypocrisies, à nos lacunes, à nos jeux, et à nos petits tours de passe-passe dans lesquels on croit berner le créateur des cieux de l'univers. Et au final, on est mis face à la réalité des choses, et nous sommes face à un bilan souvent catastrophique. Alors on a plusieurs choix face à ce constat. Soit pleurnicher, soit jouer aux victimes, soit espérer un miracle qui tombe du ciel, ou soit se dire, oui, le monde est en perdition. Oui, la plupart des musulmans sont des musulmans de façade. Oui, le Coran et la Sunna sont rarement respectés, rarement pris en compte. Oui, mon mari, ma femme, mon ex-femme, mon ex-mari, ma belle-famille sont injustes, sont déséquilibrés, sont ingrats, ne craignent pas Allah comme ils devraient. On peut dire tout ça, mais on doit le faire suivre par quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit. Même si le monde est infesté d'hypocrisie, de méchanceté, de fausseté, etc., moi je vais faire de mon mieux pour être un modèle et pour rencontrer mon Seigneur le jour du jugement, le cœur apaisé en me disant, moi j'ai fait de mon mieux, mon mari était comme ci, comme ça, mais moi j'ai répondu à son mal par un bien. Et je voudrais faire une petite parenthèse rapide sur cette histoire-là de mari-femme. Euh, quand on parle d'amour, il faut arrêter de penser que l'amour est une chose acquise parce qu'on a fait un enfant à des femmes, enfin des enfants à une femme, pardon, euh, ou inversement parce qu'on a donné des enfants à un homme et que donc en fait après ça roule tout seul. Ce n'est pas vrai. L'amour est quelque chose qui se gagne, qui, qui se nourrit, qui se cultive et euh, en plus de ça, il faut toujours tenir compte, dans ce qu'on dit et ce qu'on fait, de comment l'autre peut l'interpréter et de comment l'autre peut le vivre. Voilà pourquoi le musulman qui craint son Seigneur doit déjà faire attention à son comportement. Mais comme nous ne sommes pas des anges, quand on fait des faux pas, quand on dit des mots déplacés, quand on exagère, quand on, quand on constate qu'on a fait souffrir, moi ça m'arrive souvent, il faut avoir la force de caractère de marcher sur son orgueil et de, de ne pas chercher à se donner toujours raison et d'aller vers l'autre et lui dire « Je te comprends, pardonne-moi, j'ai exagéré, je ferai tout pour que ça ne se reproduise plus, c'est pas comme ça que j'aurais dû te le dire, j'ai été trop direct, trop dur, trop franc. » Euh, je comprends que tu es fatigué, que ça a pu te blesser. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû agir comme ça. Et c'est vrai aussi que c'est souvent plus les hommes qui doivent le faire que les femmes, parce que les femmes sont plus faibles, plus orgueilleuses, plus émotives, plus rancunières, plus ingrates. Excusez-moi, mes sœurs, c'est mon constat. Mais il faut pas répondre à ça par je vais être encore plus dur qu'elle, et plus ingrat, et plus... Bon. Parce que alors là, ça finit comment Ça finit, la côte casse, et ça finit en divorce, avec des enfants dans les familles monoparentales, et on est parti pour la joie, et vous connaissez la suite. C'est à nous les hommes à prendre sur nous, et à des fois se dire, j'avais raison, mais elle n'a pas eu la capacité de me comprendre. Eh bien, tant pis, pour Allah, fils habilillah, je vais passer l'éponge, et je vais prendre sur moi, afin de maintenir ma famille unie. Et euh, d'éviter des conflits inutiles qui vont nourrir que les soldats d'Iblis. Mes frères, euh, on n'a pas le droit à l'orgueil. On doit euh, bâtir des micro-communautés musulmanes dans nos foyers. Euh, on vit une époque très difficile, pleine de tentations. Pour nos femmes, c'est pas facile. Euh, les femmes sont ce qu'elles sont. Elles ont été créées comme ça. Bien sûr, elles doivent faire des efforts. Mais on ne doit pas attendre, nous les hommes, qu'elles deviennent des hommes. C'est une attente euh, inutile et stérile, vouée à, à la déception. Je parle en connaissance de cause. Et donc, à un moment donné, il faut voir le positif là où il est, préserver ce qui peut l'être, et, peu, et un peu prendre sur soi. Vous serez récompensé auprès d'Allah pour avoir fermé les yeux sur certaines choses, même là où vous aviez raison. Avoir raison ne signifie pas qu'il faut... Absolument que casser l'autre, euh, faites-le pour Allah. Et peut-être l'autre le reconnaîtra ou pas, c'est pas grave, au moins vous avez sauvé l'essentiel. Personne n'est parfait et croyez-moi, croyez-moi bien, euh, papillonner d'un homme à l'autre, d'une femme à l'autre, ça ne résout rien. Les défauts que l'un avait, l'autre ne les a pas, mais il en a d'autres. Il faudra quand même résoudre des conflits, il faudra quand même résoudre des incompréhensions. Donc ça ne sert à rien de fuir le problème en pensant se remarier vite avec quelqu'un d'autre, et que tout va être parfait. Vous trouverez d'autres défauts et d'autres problématiques à résoudre, parce que nous sommes sur la terre des épreuves, on n'est pas au paradis, et nous sommes ici pour résoudre des problèmes, parachever nos caractères, nos âmes, et endurer, endurer des épreuves. Euh, je vous rappelle quand même la déclaration bien connue, prophète Sallem, si ce bas monde valait le poids de l'aile d'une mouche, Allah, Zawajal, n'aurait pas donné une goutte d'eau à boire aux mécréants. Donc, euh, c'est pas ici qu'on cherche euh, la juste répartition des choses. Ceux qui ont l'air d'avoir tout, femme, argent, appartement, bagnole, vivent peut-être une autre épreuve beaucoup plus lourde par rapport à leur Seigneur que vous, parce qu'ils vont devoir rendre des comptes sur toute une, toute une série de choses sur lesquelles vous ne devrez pas rendre compte. Donc, parfois, celui qu qui est le mesquin, c'est pas celui qu'on croit. C'est pas celui qu'on croit. Parfois, le mesquine, c'est celui qui est dans sa villa à Beverly Hills, euh, occupé à, à feuilleter les magazines pour savoir s'il va se mettre du botox ou, de, ou des anabolisants pour avoir l'air plus beau, plus ceci. Et Allah va lui demander des comptes beaucoup plus lourds que pour vous, qui devez vous battre avec euh, des allocations et le manque d'argent, etc., etc. Il faut pas. Notre notre logique à nous, elle est limitée. On voit, on voit ce qu'on voit avec nos yeux et nos yeux sont source d'égarement. Euh, on le voit avec toutes les illusions d'optique, des fois on peut voir des choses qui n'existent pas ou avec les images holographiques. Mais bon, c'est un autre sujet. Je vais m'arrêter ici parce que voilà, je veux être ni trop long ni trop court et je vous retrouverai très bientôt inchallah et je répète pour conclure, si des gens ont des choses à me dire parce qu'apparemment beaucoup de gens ont une haine totale pour moi. Grave, ok, je, je peux comprendre, on peut pas être aimé de tous, mais je dis simplement s'ils craignent Allah, qu'ils cherchent à me joindre, et je, je m'engage publiquement à donner mon numéro de téléphone ou à appeler le numéro qu'on me donnera afin de répondre aux questionnements qu'il y a, euh, si questionnements il y a à se poser. Mais dire simplement de quelqu'un, je l'aime pas, c'est une balance, c'est un pourri, c'est un traître, c'est un astrologue, point et puis ne pas chercher à démontrer, à prouver ou entendre la version de la personne incriminée, c'est pas très honnête. Mais bon, de nouveau, on peut pas, on peut pas forcer les gens à craindre Allah. C'est chacun sa conscience. Mais on peut ouvrir la porte et après les gens, ils franchissent la porte ou pas. Ça, c'est un autre débat. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري دعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا إلهي ومليكي أنت تعالي أعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم